c'est à toutes et bienvenue dans ce 8e épisode que je tourne à la suite du précédent. Donc si je me suis trompé dans le titre du précédent, dans le numéro, bah, ce sera pas. Donc on s'était quitté juste avant le passage de tour. Voyons voir comment va réagir l'Angleterre. Là l'Angleterre ne bouge pas. Elle ne bouge pas. L'Autriche fait des mouvements de troupes. La Prusse tente, je pense, de se défendre un petit peu. Alors à savoir que j'ai essayé quand même de manier avec les Prussiens contre les Autrichiens. Bon, c'est un peu des alliances contre nature tout ça, mais sur le principe c'est pas trop déconnant. Je cherche des alliés pour leur faire la guerre. Alors les Mongols, moi je suis allié à qui, je m'arrête. Bon, de toute façon je mène toujours avec ceux qui perdent moi. Mais bon, c'est pas grave, ils m'ont pas entraîné dans leur guerre. Sa flotte en Méditerranée avec une concentration de 432 km. Moi je continue d'entraver la marine anglaise. Finalement, c'est pas les Anglais qui m'ont fait la tête. C'est les Français qui m'ont fait tout un peu de l'économie. Et comment vous faites pour recruter encore des unités? Sérieux quoi. Et bah allez, on va se la faire. Ça vous fait des batailles. C'est vrai que dans les premiers épisodes, j'en ai pas fait. Enfin dans le premier épisode, j'en ai pas fait. Et puis je crois que je vais m'abstenir des batailles navales jusqu'à ce que j'ai une suprématie, genre des navires de premier rang, quoi. Vous savez là quand vous avez les canons qui tirent et que ça fait mal. En gros. Alors, ce coup-ci, j'ai tout le monde qui est dans le fort. Mais je n'ai pas de cavalerie. Ah bah oui.
On va accélérer, c'est pas très intéressant. Ok, alors. Toi, tu vas venir là, gentiment. Là, c'est de la milice. Toi, tu vas venir là, gentiment aussi. C'est marrant qu'ils empruntent les cordes pour redescendre. Et je pense que vous l'avez compris, je vais aller m'occuper de leurs canons. Bon, on voit que nos canons de mur ont quand même fait un peu de leur boulot. Avec le drapeau. J'ai surveillé que leur artillerie se bouge pas vers moi. Je vais faire gaffe qu'ils ne pètent pas un mur avec mes troupes dessus. Si. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, toi tu vas venir ici. Toi t'es pas nombreux. Tu vas venir là. Voilà, on va abandonner le mur. On va remettre en jeu. On voit que l'artillerie continue de tirer, l'artillerie des murs. Ah bah voilà, ça c'est un plan qui se déroule sans accroc, comme dirait Nick Smith. Alors, j'ai perdu 16 hommes, c'est Camille Merle qui était à la tête de l'armée, et ils en ont tué 188, plus de 10 fois plus. Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Préparez-vous, marchez! Personne ne nous vaincra! Tenez-vous prêts! Troupes, en avant! On va réparer l'école. Se cache sous les jupons des femmes. Prêt à recevoir vos ordres?
le rappel pour la bataille. Ce qu'on pouvait faire. Oui, monsieur. On va oui, attaquer capitaine. Avec. À vos ordres. Des ordres. Trois navires. Facilement gagné. Je ne vais pas me risquer. Je suis capable de perdre. Hip hip hourra. Hip hip hourra. Je leur ai pris un navire. Docteur, va venir au prêt. On retourne. Ordre du navire, capitaine. Officier sur le pont. Ouais. Oui, monsieur. Voilà, je dois m'endommager ce port. Comme ça, il me reprend plus. Deux navires de guerre ici. Déjà, on va réparer le port. Ok, et j'ai une flotte aussi en Amérique que je dois réparer aussi. Et je vais recruter un cinquième rang en plus. Ok. Non, je repars sur mon commerce. Parce que pour un, on va faire une brique. Non. Qu'est-ce que je peux me mélanger dans mes trucs? Ici, pourquoi je le fais là? Parce qu'il est gravé. Et si je ne peux en faire que peu, autant en faire des bons. Ils se défendront donc. Moins un de zèle sur la recherche. Non. Ils sont gros, tout gros. Et le curé va falloir te mettre au. Il va falloir t'y remettre, hein, parce que là, ça va se passer comme il faut. Alors. Donc, on va reconstituer. Là, c'est tout bon. Combien 248 forcément. Non, je vais quand même maintenir mes recherches. Alors la baïonnette à douille, et là on a quoi? Baïonnette à tenon. Un qui attache au tenon d'un mousquet et est fixé, transformant l'arme en contenu. Baïonnette. Historiquement parlant, cette amélioration a passé l'épreuve du temps. Les baïonnettes à douille existent encore sur certains fusils et certaines carabines modernes. Mais on peut encore les utiliser au combat. D'ailleurs, vous pouvez mettre la baïonnette sur le FAMAS. Et sur le M. Je crois fusil des Américains, vous pouvez mettre la baïonnette, fusil anglais aussi. Et sur les fusils d'assaut britanniques, vous pouvez encore mettre la baïonnette si je ne dis pas de conneries. Ou peut-être pas sur les dernières, peut-être pas les dernières. On va se mettre là parce que ça prend pas mal de temps. C'est chouette de conserver mon avantage. Là, il fait par population, ça c'est pas très chaud. Alors, là, ça se passe plutôt bien. Par rang, c'est bon. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, on fait le feu par rang. Ok. Trèche. Je peux réparer. Ok, c'est bon, ça se répare. Gentilhomme autrichien. Votre Majesté. Où mon agent? J'avais pas d'agent par là? Village assiégé! Ah, j'ai perdu un général. Encore un tour, ils vont briser les. Homme en avant! Je viens de prêter renfort ici déjà. Ah, ça me kikine, mais bon.
Maxence de Maupeu. Ouais, et bon, on va bien voir. Hein. Les porcs pourrissent dans leur porcherie. Donc là, c'est bon, en même temps, j'en profiterai pour battre l'armée, puis après, je vais commencer à descendre. Est-ce qu'ils vont recruter quelque chose? Non, on ne peut rien recruter. Est-ce que je peux préparer la marine? Non, je peux rien réparer. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Les navires qui sont arrivés. Là, ça répare. À gauche, marchez. Du coup là j'aurais abordé leur port, je suis même pas obligé de me laisser mon navire. Oui, oui Milord. Vos ordres, Capitaine. Parce que c'était sur une sortie. Mais trois, un sixième rang, un cinquième rang, une équipe. Oh, ça peut être sympa à piquer ça la foutre. Allez, on va passer le tour. D'autres ordres ! Vous voyez ce qu'on me disait, il faut une sortie. Hop, on sauvegarde. Tac, tac. Et on va la faire. Alors, habituez-vous à une activité constante. Le prince Alexandre V Suvorov. Comte de Rimnik, général russe. Oui, certes, pourquoi pas. Bah moi, je fais de l'activité sur ma chaise devant l'ordinateur. C'est déjà pas mal. Et vous pouvez noter les superbes illustrations qu'on a avec le mode, avec le Darth Mode. Alors, encore une bataille terrestre. Bon, on peut noter que déjà, la bataille terrestre, ça, je gère. C'est le pont de plus. Là, on va voir les collines. Ah, on marque ici. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça c'est super important de voir comment on peut se passer pour avoir le feu. Démontez la vôtre.
tailler la part du lion pendant que j'étais en guerre avec l'Autriche. Ça, j'ai pas apprécié la blague. Bon, là-bas, c'est parti. On va en massacrer autant que faire se peut. Pas de pitié pour les Anglais. Bon, là, ça se passe plutôt bien. On a de la chance, ça n'a pas planté. Bon, du coup, là, je vous ai montré un truc que j'avais pas fait jusqu'à présent depuis pas mal de temps. C'est le groupement. L'avantage, c'est que ça permet de garder la ligne que vous souhaitez faire. Vous voyez, hop, là, je peux pas rétrécir. Si je veux rétrécir, il faut que je sélectionne une unité qui n'est pas groupée. Et là, je peux remettre la ligne comme je veux, quoi. Et on va se mettre en formation de marche. En colonne. Pour la vue. Voilà, victoire décisive. Fou, vous croyez? J'espère qu'il mordra quelques-uns de mes généraux. J'en ai 3. Ah, j'ai besoin de lire la suite. Donc j'ai perdu 172 hommes. Et j'en ai tué 755. Oui, c'est pas mal. Il n'y a pas un rapport de 1 pour 10, mais c'est déjà pas mal. Et les guerres des colonies sont longues et dures. Il faut épargner la vie des hommes. Ennemi à l'approche! Tout le monde sur le pont! Et bah, allez. On va arrêter cet épisode ici. Il est plus court que d'habitude. Mais vu que je vous fais des vidéos que moi j'enregistre en 1440, je ne passe pas ça dans un logiciel de montage parce que sinon ça me donnait maximum en 1080. Et le 1080 du logiciel de montage, une fois qu'il atterrit sur YouTube, c'est à peine un 720 pour moi au niveau de la qualité visuelle. Et je trouve ça dommage de m'embêter à vous enregistrer ça en très haute qualité si c'est pour avoir à peine un 780. Donc du coup, au moins là, vous l'aurez en 1080. C'est 760 d'ailleurs. Vous l'aurez en 1080. Et ce sera un 1080 qui sera un peu plus agréable à l'œil, quoi. Voilà, plus agréable que les premiers épisodes, en tout cas. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, pardon. Donc je vais déjà sauvegarder ça, hop, ici. Pour vous, rendez-vous dans 2 ou 3 jours. Et pour moi, tout de suite. À très bientôt.